que vous allez bien. Moi, ça va de mieux en mieux, donc je suis super contente. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale. Je pense que c'est une petite vidéo qui peut faire office un peu de idée cadeau de Noël. C'est Anna sur Facebook qui m'a contactée, c'est une créatrice, pour faire un petit partenariat. J'ai un moment hésité parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec la beauté. Mais je me suis dit que comme ça pouvait faire office de petit cadeau de Noël, pourquoi pas. Donc j'ai reçu un petit colis de sa part comme ceci, gratuitement. Je vous préfère vous le signaler tout de suite. Mais comme j'ai dit à Anna, je dirai ouvertement et complètement naturellement ce que je pense de ces produits, que je trouve ça bien ou pas bien. Donc voilà, donc elle m'a dit qu'elle avait fait ça sous forme de swap parce qu'elle avait très envie de faire un swap avec moi. Donc tout est emballé, donc on verra ça. Je vous montre déjà sa petite carte. Donc c'est Salier Anna, création unique, bijoux, sac, pochette, vêtements d'enfant, art de la table et accessoires. Donc vous avez son blog, etc. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Déjà les petites cartes, je les trouve trop mignonnettes. Elles sont vraiment trop choupies. J'aime beaucoup, c'est très kawaii et tout. Enfin, c'est très sympa. C'est trop choupi, il y a des bonbons. Waouh. Il y a des bonbons. Donc il y a des petits crémas comme ça. Hop. Surtout qui se casse la figure. Voilà, des petits crémas. Moi j'en mange pas, mais mon mari va se régaler, c'est certain. Il y a deux petits badges qui sont trop choupinous. Donc voilà, des petits badges identiques avec une petite fille comme ça. Et derrière, vous voyez, c'est des petites attaches épingles à nourrice. Donc pour mettre sur un pull ou quoi que ce soit. Je les trouve vraiment trop choupis, ils sont verts. Je vais vous en montrer un de plus près pour que vous voyez mieux. Voilà, c'est très sympa. Voilà, pour mettre, même pour mettre sur un sac ou une connerie dans le genre, je trouve ça très original. Et franchement, la qualité est plutôt pas mal. J'en avais déjà reçu ou acheté dans une autre boutique. Et c'était un peu décollé là sur les bords et tout. Et là, franchement, la qualité est top. Donc déjà, les petits badges, je trouve ça très sympa. Ensuite, t'as super bien présenté ça. C'est trop choupinou à l'intérieur. Donc, ben, on va ouvrir en allant et on va voir ça ensemble. Encore un style différent. Donc, je sais pas si c'est le premier que je devais prendre, mais c'est le premier que j'ai sorti en tout cas. Hop, hop, hop. Je vais essayer de rien casser. Voilà. Donc, la première chose que je sors, c'est ceci. Donc, c'est trop sympa. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment très original. Donc, c'est une cuillère en bois, une spatule en bois, vraiment toute basique. Et elle fait de la création Fimo. Donc là, sur le bout, c'est une petite création verte et née aubergine un petit peu. Voilà, donc avec... c'est un peu des... Comment on dit des petits fils qu'elle a tout enroulés. Et il y a une petite fleur comme ça sur le bout. Je la trouve vraiment très sympa. Les spatules en bois, moi je trouve que c'est toujours utile. Donc à voir un petit peu ce que ça donne au lavage et tout ça et tout ça. Je vous en redirai des nouvelles. Mais franchement, moi je trouve ça très sympa pour offrir à une cuisinière ou un truc comme ça. C'est vraiment original. Donc pour l'instant, premier produit, je valide. Ensuite, pour tenter de l'après-midi ou autre. C'est une petite cuillère, donc voilà, tout simplement, une petite cuillère pour boire le thé, etc. Et sur le bout, vous avez un petit macaron qui est trop choupinou. Donc j'ai fait un peu de Fimo, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Et franchement, là, le macaron est super bien fait. Vous avez vraiment les détails à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous allez voir si ça fait le focus. Ouais, voilà. Vous avez vraiment les détails à ce niveau-là, des petites, vous savez, comme sur les macarons, la petite pâte qui fait des trucs. Donc voilà, franchement, il est très sympa. La cuillère, je la trouve très jolie. Donc voilà, à voir avec comment ça vieillit, etc. Mais je trouve ça vraiment original. Même à offrir plusieurs comme ça dans un petit coffret pour Noël, je trouve ça très joli. Donc pareil, la cuillère, je valide. Ensuite, il me semble que tu l'avais repéré. Ah! Oui, parce qu'elle m'a présenté son site et j'avais trouvé des petites choses très sympas. Je lui avais mis que... Elle m'avait demandé de lui dire un petit peu ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Hop, carte s'est barrée, c'est pas grave. Et il me semble qu'elle fait des... Elle avait des trucs très sympas et donc j'avais repéré certaines choses que je lui avais mis et j'avais laissé libre cours pour composer le colis. Alors. Ah oui, il est trop beau. Ah ouais, non, j'adore. C'est un petit collier... Un petit collier tout simple avec un petit nœud qui est noir. Vous voyez, il est très très sympathique. Je vais enlever le mien et je vais passer celui-ci en espérant qu'il passe. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très original. Et ouais, non franchement, je vais laisser celui-ci pour l'instant parce que je le trouve vraiment très joli et ça va bien avec ma tenue en plus. Vous voyez, pour les fêtes, un petit collier nœud comme ça... Je trouve ça très original. J'essaierai de vous mettre un petit peu les prix de chaque article pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça vaut. Donc voilà, le collier, je dis oui. Ensuite, pour aller avec tes rouges à lèvres violets. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? C'est une petite paire de boucles d'oreilles qui est plutôt sympathique.
Donc, hop, ça se présente comme ceci. Donc, c'est des boucles d'oreilles en fil métal qui est dans les tons parme un petit peu. Elles sont plutôt bien faites. Elles sont assez sympas. J'en ai essayé une pour vous montrer ce que ça donne portée. Donc, portée, ça donne ceci. Vous voyez, c'est assez joli, assez sympa. Donc, voilà. Très joli. Les boucles d'oreilles, pour l'instant, je dis oui. Donc, pour l'instant, c'est un sans faute pour tout. Alors, toujours dans les tons violets pour aller avec mes rouges à lèvres violets. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un collier qui se présente comme ceci. Donc, vous avez un fil de 7 d'organza et deux fils de cordon de coton. Et vous avez un petit bijou comme ceci qui est en fil métal également. C'est super bien fait aussi. C'est assez joli. Je vais essayer de vous le porter. Pour vous montrer un petit peu Je suis ce moins que ça fan parce que donne. Le violet, j'aime en rouge à lèvres, des choses comme ça. Mais après, tout ce qui est bijoux et tout ça, violet, c'est pas trop mon style en fait. Voilà. Donc sinon, c'est assez joli porté aussi. Pour un petit cadeau de Noël et tout ça, je pense que ça peut être sympathique. Mais ben, moi, c'est pas mon truc, quoi. Donc ça, personnellement, je dis oui parce que c'est joli et parce que ça peut faire un joli cadeau de Noël. Mais pour moi, porté, je dis non. Voilà, mais ça c'est juste une histoire de goût et je suis persuadée que parmi vous, il y en a qui adoreront ce petit truc. Ensuite, pour décorer C'est ton sympathique frigo. ça. Donc ce sont plein de petits aimants. Donc ça se présente comme ça. Donc là, il y en a un comme ça, il y en a un plus long, il y en a comme ça, vous voyez. Des petits aimants comme ça dans les tons violet et rose avec des petites roses. Il y en a une bonne 6 ou 7, 8 je crois. Donc voilà, il y en a plein. Hein. J'essaie de vous les montrer sans les faire tomber. Donc je trouve ça assez sympa pour mettre, vous savez, quand vous avez des petits rendez-vous, des comme ça, des post-it à mettre sur le frigo. Je trouve ça assez sympa d'avoir un petit aimant à mettre dessus. C'est original. Ouais, ça pareil, je valide. Je trouve ça assez sympa. Pas de souci pour ce petit truc. Et c'est une idée de cadeau original aussi, je trouve. Hop, je vais essayer de faire un petit peu le tri dans tout ça. Voilà, je continue une deuxième. Donc, au toucher, je dirais que c'est une deuxième Toujours une cuillère. petite cuillère comme ceci, avec un petit macaron, mais cette fois-ci, le petit macaron est rouge. Franchement, franchement, il est trop choupi. Et je crois que, vous voyez, je préfère la rouge à la violette. Franchement, enfin, forcément, je suis pas violet. Mais pour faire des petits cadeaux, je trouve ça hyper sympa. Franchement, c'est super top. Et les finitions sont Continue, vraiment super sympa. celui-ci. Elle me met petite nouveauté. Ah! Ça, je vais adorer. Alors, ça, je vais adorer. Alors, c'est une petite boule à thé comme ceci. Et sur le bout, vous avez un petit macaron au chocolat qui est trop sympa. Donc, les boules à thé, ben, quand on est fan de thé, c'est quelque chose qu'on apprécie toujours parce que ben, c'est toujours pratique quoi, quand on aime le thé en vrac, etc. Donc, la petite boule à thé macaron, pareil, très joli cadeau. Vous voyez, vous faites ça, vous associez les couleurs ou pas avec une jolie petite cuillère et dans une jolie petite tasse. Ça peut être très joli. Et je sais qu'elle fait des tasses également, donc à voir. Donc, la boule à thé, je valide. Excusez-moi. Pour ton petit café. Donc, une petite cuillère, vous voyez, qui est en taille plus petite que les autres, pour les petites tasses à café, tout simplement. Donc voilà, et sur le bout, vous avez un petit, comment on appelle ça, un chamallow de couleur. Voilà, c'est très sympa. Ce que j'aurais juste à reprocher sur ça, c'est que le chamallow n'inclut pas le dos de la cuillère, et j'aurais trouvé plus sympa que ce soit en mis dedans directement. Voilà, mais sinon c'est très sympa. À voir si ça passe au lave-vaisselle après, parce que moi je suis une flemmarde et si on doit laver à la main, je suis un peu embêtée. Mais j'essaierai de les passer au lave-vaisselle, je verrai avec Anna et je vous dirai si ça passe ou pas et si ça vieillit bien avec le temps. Mais la petite cuillère est très jolie. Oh, ça je sens ce que c'est et je sens que je vais adorer. Pour préparer de bons gâteaux, Le voilà, donc vous fromage. avez deviné que Alors. c'est un fouet et voilà, il est trop beau.
Il est trop trop beau. Donc voilà, c'est un petit fouet comme ceci et vous avez la fameuse petite guimauve au bout. Vous voyez, c'est comme celui sur la cuillère. Je trouve ça hyper sympathique. J'adore, franchement, très 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 sympa. Il est magnifique. C'est toujours plus sympa d'avoir des trucs. Moi j'en ai, mais bon, le bout est en métal basique et je trouve que ça c'est hyper sympathique et super joli. Et voilà, même pour laisser poser dans la cuisine, dans un pot et tout, on laisse pas dépasser le moule. Enfin, le moule, le manche, et je trouve ça hyper sympa. Donc ça, je valide totalement parce que j'avais repéré ce qu'elle faisait, j'avais repéré ça, et j'avais trouvé ça hyper sympa, donc je valide. Alors, on arrive au bout, il reste deux petits paquets. Donc, je pense avec la grande beauty addict que tu es, on aura l'utilité. Qu'est-ce que Donc, c'est c'est une donc? petite trousse comme ceci avec des petites fleurs, donc c'est du coton. Voilà, elle est pareille des deux côtés. Vous avez une petite fermeture éclair beige qui est dans les associations de couleurs. Et, excusez-moi, vous avez l'intérieur qui est rose, qui rappelle un petit peu la couleur des fleurs à l'extérieur. Donc pareil, je la trouve très très sympathique. Ça pour glisser dans le sac à main avec plein de trucs. Pourquoi pas mettre les serviettes hygiéniques parce que je pense que ça doit passer. Ça peut être très sympa. Franchement, je trouve ça très très sympa. Et les finitions sont top, hein. Je vous montre, voilà, les finitions sont bien faites. Il n'y a pas de fil qui dépasse, il n'y a rien. Moi, je dis oui aussi pour la petite trousse. Et le dernier petit paquet. Donc, pour l'instant, à part la petite cuillère à café, c'est chou, c'est à sans faute. C'est comme les grandes, je pense. Ouais, c'est une grande, comme celle avec les macarons. Et elle est comme ceci. Donc, pareil, très sympathique. C'est toujours trop mimi, quoi. Les couleurs, enfin l'association de couleurs, c'est pas franchement moi puisque c'est violet, mais ça je te l'ai pas dit que j'aimais pas le violet, donc si tu suis pas bien mes vidéos, t'as pas pu forcément le savoir. Donc là c'est vert et violet, mais la petite fleur et tout, les petits motifs, les petits dessins, franchement c'est super bien fait. Je vais essayer de faire un crash test, hein. Vous voyez, je tire dessus très fort et ça part pas. J'appuie sur la fleur et ça part pas non plus, donc ça tient très bien. Voilà, donc très très sympa. Donc si on récapitule, la petite trousse, je dis oui parce qu'elle est trop choupette. Les petites cuillères à thé, donc j'en ai reçu trois, deux avec des macarons qui sont très jolis et celle-ci qui est très jolie également. Un peu moins mon style, mais super sympa. La petite cuillère à café, c'est celle peut-être que j'a, j'a, à laquelle j'adhère le moins parce que je trouve qu'on voit le manche derrière et que ça fait pas très très joli. Mais elle est sympa également. En continuant dans les ustensiles, ça j'adhère totalement parce que je le trouve vraiment trop choupinou. La petite spatule comme ça, pareil, je trouve ça trop choupi, très sympa et ça met de la gaieté dans la cuisine plutôt que d'avoir des manches tout basiques. La petite boule à thé, je la trouve trop choupette, donc je m'en servirai, ça c'est sûr. Ensuite, dans les bijoux, on avait ces petites boucles d'oreilles que je trouve très sympathiques également. Moi, mon style, je l'avoue, parce que la couleur, c'est pas trop moi, mais elles sont assez sympas et pourquoi pas les porter avec un look noir ou des choses comme ça. Je verrai. Et le petit collier comme ceci, il est sympa, mais c'est pas du tout mon style, donc moi, je le porterai pas. Mais je pense que ça peut faire des heureuses à Noël et je pense que pour certaines, ça peut leur plaire. Et pour finir, ah oui, il y avait les petits trucs comme ça aussi qui sont très sympas. Et ça va me servir, c'est sûr. Et pour finir, mon gros coup de cœur de cette commande, je pense, avec le fouet, c'est ce sympathique collier que je vais remettre d'ailleurs pour finir la vidéo. Voilà. Très joli collier nœud, je trouve ça très choupi. Ça fait un peu un look masculin-féminin que j'aime beaucoup. Donc voilà. Mais écoute Anna, je te dis félicitations parce que dans ton colis, il n'y a que deux choses qui me plaisent un peu moins et tout le reste, je trouve ça hyper, hyper sympa. Voilà, je suis très, très contente de ce que j'ai reçu. J'espère que vous aussi, il y a des petites choses qui vous ont tenté. Comme je vous ai dit, j'essaierai de vous mettre les prix de chaque article quelque part par là. Je vous mets également tout en barre d'infos, son site, son blog, sa page Facebook et tout ça. Donc vous pourrez aller faire un petit tour et voir un petit peu tout ce qu'elle propose. Donc je vous remontre pour finir sa petite carte. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné des envies et des idées de cadeaux pour Noël. Moi je vous fais d'énormes, énormes bisous et je vous dis à très très bientôt.